Ce centre nous offre pas mal de possibilités. Nous avons déjà plus de 30 alvéoles, donc on peut faire plusieurs matchs. Là, nous sommes à 30 matchs sur cette compétition. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment un très joli centre. Alors, l'organisation est parfaite. Les décors sont splendides, on pourra remarquer. Et franchement, ces 30 stages qu'on peut faire d'affilée, où on n'est pas obligé de moduler les décors, c'est magnifique parce que sur certains stands, on est dans l'obligation de modifier vu l'infrastructure. Là, nous avons une très grande infrastructure et je pense que c'est la plus grande à ce jour en France. Super, on est très bien accueillis, on a la chance d'avoir une cantine avec qui on peut manger tous les midis, l'ambiance est super et en plus moi j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. On s'entend toutes bien et on passe un très bon moment. On s'entraide entre nous, c'est une ambiance géniale. Et c'est vraiment l'équipe que j'ai eue la mieux depuis le début de toutes mes compétitions. Alors c'est vrai qu'on a un temps de retard, nous les Françaises, par rapport aux Américaines et notamment aux Russes, surtout aux Russes, parce qu'elles pratiquent depuis de nombreuses années. Pour nous, le shotgun, c'est une compétition qu'on commence que depuis 3 ans. Et nous, Françaises, on a débuté depuis 1 an. Donc on a un petit peu un temps de retard, mais ça va. Are you ready? Bye bye. Lady category, third place, France, with Anne Fournier, Christelle Pache, Delphine Bézot et Marie-Thérèse Moret.